atome, qu'est-ce que c'est? De l'énergie ou de la matière? Ni l'un ni l'autre. Ou plutôt, les deux à la fois. Mais ces grains d'énergie-matière, de quoi sont-ils faits? D'électrons. Comme vous le savez déjà, mais surtout d'un noyau. Et ce noyau, il est lui-même constitué d'infimes particules. À partir de 1938, comme d'autres savants, Irène et Fred Joliot-Curie accumulent les expériences sur l'atome. Fin 1938, on découvre que l'on peut faire éclater certains noyaux. C'est la fission du noyau, ou fission nucléaire, qui transforme la matière en énergie. Frédéric Joliot-Curie s'aperçoit qu'un noyau qui éclate bouscule les noyaux voisins qui éclatent à leur tour, et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne peut dégager une chaleur fantastique. Il imagine de l'utiliser pour produire de l'électricité. En 1942, à Chicago, Enrico Fermi construit une pile à uranium. Pour la première fois, de la chaleur est produite sans combustion. La réaction en chaîne est maîtrisée. Mais c'est la guerre. Hitler parle d'une arme nouvelle et terrifiante. En Amérique, Einstein et Oppenheimer apportent leur concours pour battre de vitesse les chercheurs allemands. À Potsdam, le président Truman peut annoncer à Staline que l'Amérique a gagné la course à la bombe atomique. Le 16 juillet 1945, c'est la première explosion dans le désert d'Alamogordo. Un mois après, c'est Hiroshima et Nagasaki. La guerre, hélas, ne met pas fin à la compétition pour l'arme absolue. Le très grand savant, Oppenheimer en tête, dénonce cette escalade comme un scandale. On reprend leurs recherches initiales sur la production d'électricité nucléaire. Plusieurs modèles de centrales atomiques sont expérimentés et mis au point. Ces centrales produisent toutes de la vapeur pour faire tourner des turbines. À partir de 1973, l'énergie nucléaire, jusque-là simple à point, prend le relais du pétrole pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est d'origine nucléaire. C'était il y a un siècle ou presque. Une exposition internationale s'ouvrait à Paris pour saluer l'aube des temps nouveaux. Le professeur Cosinus était là et il rêvait tout haut. Le courant, mes enfants, c'est Volta, l'Alexandre de l'électricité qui l'a conquise. Regardez-le qui s'avance, suivi d'Ampère et de Faraday, ces géniaux explorateurs du champ électromagnétique. Champ fertile où allait éclore la prodigieuse dynamo de Zénoble Grave. Et voici maintenant les magiciens de la communication instantanée, du son et de la lumière, Morse, Bell, Edison. Encore un regard enfin pour le grand Maxwell, qui plane sur le royaume des ondes, de ces ondes qu'Hertz a réussi à capter. Ah ah ah, dans quel monde vous allez vivre, mes enfants? Que dirait aujourd'hui le professeur Cosinus aux arrière-petits-enfants de ses enfants d'il y a 100 ans? Il serait pris de vertige. Impossible de revenir en arrière.
Et si les électrons cessaient leur travail, la Terre continuerait bien à tourner. Mais l'humanité tomberait en panne. La question aujourd'hui est moins d'inventer des machines que de les faire marcher. Avec quoi ? Fossiles, uranium, chaleur souterraine, soleil et peut-être même un jour le principe qui le fait rayonner, la fusion des noyaux atomiques. Mais pour que l'aventure des énergies ne se termine pas en roman noir, il faut bien les choisir, mieux les utiliser et s'efforcer de rendre notre planète aussi belle qu'elle l'était hier.